Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire, et bienvenue sur copywritingfacile.tv. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous le mot le plus important que vous devez, que vous pouvez utiliser en copywriting. Tout ça dans le but d'augmenter votre chiffre d'affaires, en tout cas votre nombre de ventes, dans le but de convaincre le plus de prospects qualifiés possible à devenir vos clients. Alors, à votre avis, quel est ce mot que vous pouvez utiliser dans votre rédaction pour convaincre beaucoup plus de prospects à devenir vos clients? Et c'est un mot qui va vous aider également à persuader vos visiteurs, à leur donner envie de s'inscrire, soit de s'abonner à votre chaîne YouTube, soit de devenir page de votre page Facebook, ou alors de s'inscrire dans votre liste, dans votre mailing list. Non, ce n'est pas gratuit. Il y a un mot encore plus puissant. Je vais vous le donner dans quelques instants. Il faut juste savoir que vos prospects, vos clients, les visiteurs de votre site, ils sont comme vous et moi. C'est-à-dire que les personnes sont intéressées par elles-mêmes, leurs problèmes, comment résoudre leurs problèmes, et elles cherchent une solution pour réussir soit leur transformation de vie, soit à trouver une solution à leurs problèmes. Donc la majorité des gens, probablement vous, en tout cas moi aussi, nous sommes intéressés par ses propres problèmes et par soi et comment avancer quoi en fonction de nos objectifs. Donc maintenant, vous l'avez probablement deviné, le mot le plus important que vous pouvez utiliser, que ce soit dans vos communications vidéo, dans vos lettres de vente, dans vos scripts de vente, dans vos mailings de vente, c'est le mot « vous ». Vous, enfin « vous » ou « tu », ça dépend si vous, dans votre business, dans votre activité, si vous tutoyez vos prospects et vos clients ou si vous les vous voyez. En tout cas, si vous les vous voyez, le mot « vous », ça va vous permettre de créer une relation avec votre prospect. C'est-à-dire, vous le savez, vous vous en doutez probablement, quand vous écrivez un script de vente pour une vidéo de vente ou un mailing, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui vont recevoir le même mailing. Et la magie du mot « vous », c'est ça permet de créer un rapport personnalisé. C'est-à-dire, en utilisant ce mot « vous », vous allez créer un rapport personnalisé. Par exemple, si je m'adresse à vous, vous êtes entrepreneur, vous avez des problèmes, vous cherchez des solutions pour augmenter votre chiffre d'affaires à moindre coût. Et justement, le pouvoir des mots peut vous aider à convaincre plus facilement vos prospects à devenir clients et donc à augmenter votre taux de conversion. Donc le mot « vous », ça permet de s'adresser à la personne comme si elle était en face de nous, à une seule personne. C'est-à-dire, si vous commencez à décrire votre produit ou votre service, vous ne dites pas « bonjour à tous, utilisez toutes vos mains », non. Enfin, pour un produit, pour un parfum par exemple, utilisez toutes vos mains pour tester le parfum. Non, vous dites « bonjour prénom », donc « bonjour Françoise ». Nous avons créé un parfum qui va faire ressortir votre élégance. Vous pouvez le tester simplement en mettant un petit cheat sur votre poignet et en le sentant. Tout ça, nous vous envoyons le parfum chez vous directement sans aucun risque. Donc, pensez bien, c'est pas le mot gratuit qui est le plus puissant pour convaincre vos prospects. Non, c'est vraiment le mot « vous ». Et d'ailleurs, j'y pense, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques temps que je souhaite partager avec vous. Donc, c'est Jonathan Livingstone, Le Goéland de Richard Bach. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. En plus, il coûte pas très cher, je crois 4,60€ sur Amazon. Et il est vraiment génial. C'est un excellent livre qui va vous aider à garder le cap dans le développement de votre entreprise. Et justement à continuer de réfléchir différemment pour trouver et mettre en place surtout des solutions qui augmentent votre chiffre d'affaires et in fine votre liberté d'action,
ce que vous souhaitez réaliser dans le monde grâce aux revenus générés par votre entreprise, grâce aux solutions que vous proposez à vos clients. Donc, je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà lu, de lire ce livre. Il est très rapide, il fait 100 pages. Donc, il se lit, en moins d'une heure, ça dépend de votre vitesse de lecture. Donc voilà, donc pour en revenir à ce mot très puissant, c'est vous. Le but, c'est d'établir une connexion avec votre prospect ou avec votre visiteur, avec votre client, pour décrire le plus précisément sa situation actuelle et lui proposer les bénéfices de votre produit pour sa transformation, pour l'atteinte des objectifs de votre prospect. Donc vraiment, pensez à utiliser le mot « vous » et c'est très important de mettre votre ego de côté. Je sais que c'est pas facile, pas toujours facile, on n'y pense pas toujours. On a tendance, moi le premier, à des fois à voir son produit de son point de vue en se disant « ouais, c'est le produit le plus performant, il va vraiment, vraiment aider mes prospects, mes clients à atteindre leurs objectifs. » Et en fait, il faut switcher et changer de point de vue, avoir le point de vue du prospect ou du client. Si vous vendez plusieurs fois au même client, c'est vos clients ou votre prospect. Et utilisez ce mot « vous » pour établir le rapport, décrire sa situation. Le truc le plus puissant, c'est d'arriver à terminer les phrases qui se dit dans sa tête ou à bien les cibler, soit avec des questions, des réponses. J'ai fait une vidéo sur le pouvoir des questions il y a quelques jours déjà, donc vous pouvez la regarder. Donc c'est à vous de jouer. Chaque fois que vous rédigez un mailing de vente, un script de vidéo de vente, un script au format texte, pensez à ce mot vous. Pour le but, c'est vous adresser à une seule personne, comme moi je m'adresse à vous. En fait, globalement, il y a plusieurs centaines d'entrepreneurs qui vont regarder ces vidéos. Et je m'adresse uniquement à vous derrière cette vidéo qui l'a regardée pour vous donner les conseils les plus percutants, ceux qui apporteront le plus de valeur dans le développement du chiffre d'affaires de votre entreprise avec le pouvoir des mots. Donc pensez bien à utiliser ce mot-là, vous avec les autres, mettez en place chaque conseil en vidéo que je vous donne et vous allez voir au fur et à mesure augmenter votre chiffre d'affaires et votre profit. Si vous voulez aller beaucoup plus loin et surtout faire partie de ma liste de contacts privilégiés pour recevoir mes secrets de copywriter finalement, pour encore plus faciliter la rédaction de lettres de vente, de vidéos de vente, de scripts de vente, tout simplement une mailing, cliquez simplement sur le lien sous cette vidéo dans la description ou sur le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Et du coup, vous ferez partie de ma liste de contacts privilégiés. Et là, je vous donnerai par email des informations que je ne partage pas en vidéo, tout simplement, des informations que je partage uniquement avec des entrepreneurs motivés et ambitieux qui veulent améliorer le monde avec leurs produits et aider leurs clients. Donc, cliquez simplement sur le lien sous cette vidéo pour faire partie de ma liste de contacts privilégiés ou sur le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous recevrez des éléments dès que ce sera prêt sur la machine à idées. Pour l'instant, elle est encore en test. C'est quelque chose à dire. Un logiciel couplé à des vidéos qui simplifie l'écriture commerciale, la rédaction publicitaire. Je vous en reparle dans quelques jours, dans quelques semaines, le temps que tout soit finalisé. Pour l'instant, je suis en train de l'utiliser pour les entrepreneurs que j'ai en consulting pour mesurer les résultats. Je vous tiens au courant. Maintenant, c'est à vous de jouer et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt, c'était Mathieu, rédacteur publicitaire sur copywriting-facile.tv.